Étienne Symphorien Kalala Banandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botena Binovanso. Wanzugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu basuwe moyo wenu bonsoir. Bampangi ya Mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo che. Bandeko na biso babolingo, tozali kolakisa prose ya Jamal Sami na Vital Kamere. Donc tozali kolakisa pona bandeko yo batala ki yango en direct te. Voilà, occasion ya ko récupérer yango. Eza moulaï, eza 3 heures du temps, mais bon, to ko la kisaka kaba extrait. Voilà, dans ce procès, on constate au début, parce qu'on commence par Jamal Sami, il s'embrouille, il s'est embrouillé avec des virements en espèces vers ses enfants, Jamal. Et un autre enfant ou une fille, on lui pose des questions, il s'embrouille, il s'enfonce encore plus, tellement que ses avocats sont presque incapables de le défendre comme il faut, chers compatriotes. Il ne sait par exemple pas combien d'argent il a viré vers la Turquie. Il n'y a pas de trace, il dit qu'en tout, il a dépensé 35 millions. Alors, il y a des sommes qui sont parties au Liban, des sommes qui sont parties en Turquie, et des sommes qui sont parties vers, je ne sais pas, vers sa femme peut-être, parce que parmi ses enfants, il y a Jamal, un autre Jamal, et puis peut-être une dame aussi. Alors, il ne s'est pas vraiment prouvé que ces personnes-là avaient signé un contrat avec l'État. Bon, il dit que c'est lui qui était le patron, bon, qu'il pouvait faire comme il veut. Voilà, il s'embrouille. Quant à Vital Kamerhe, il s'illustre par son verbiage. Il parle beaucoup. Voilà, il se montre parfois comme une victime expiatoire, parfois comme une personne qui veut donner des leçons. Il n'est toujours pas humble, et c'est une de ses caractéristiques. Mais à la fin, on rappelle qu'il y a des extraits de comptes dont les virements partent sur des comptes privés, comme sur, par exemple sur le compte de Hamida Chatour, qui sera invité le 3 juin prochain. Et puis, compte Mosusu, et pas témoin, mais normalement, c'est des complices. Je ne sais pas si c'est un euphémisme pour les calmer. Des ministres de l'information. Mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher de faux fuyards avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. Le tribunal vous a suivi. Donc c'est non. Il constate que oui. Le contrôle, a priori, comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la direction générale de marché public, du contrôle des marchés publics, le mois de juin. Juillet. Oui, avec juin depuis juillet. Ok. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquer que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars. Et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai.
J'aurais pu. Ce soit les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière. J'aurais pu simplement. Nous ajoutons directement une question. Pardon ? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est juste votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été. Vous avez mon procès verbal maintenant. Il vous a été. Vous allez lire les procès verbaux de tout le monde ici. Il vous a vous été. Vous entrez dans mon procès verbal. Il vous a été. S'il vous plaît. Il vous a été demandé de. Voilà les questions qui vous sont posées. Je vous donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. Okay. Nous avons bien suivi. Vous avez relevé par rapport au choix des prestataires, Samilo. Vous avez dit, si vous avez bien compris, que le choix de Samibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement chinois. C'est un choix qui a été fait avant vous avec le gouvernement, avec le ministre Kitakura du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat. Que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakuir. Il y a deux petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15 avril. On vous poserait la question si vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement Bruno Tshibala et que le ministère du développement rural de M. Bitakuira l'avait commencé et signé. Le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP, confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier? Vous dites oui, je le confirme. Et j'ai les pièces y relatives. J'ajoute qu'à l'époque, la commission avait jugé bon. C'est ainsi qu'il a été reconduit. Voilà M. Bitakuira qui réagit. Est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrit au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du développement rural? Il dit non. Il a totalement changé. En appui, je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à zéro parce que le nombre des maisons des provinces et les coûts avaient changé ainsi que les lieux d'érection des maisons. Je rebondis sur la question de mon érudit collègue. Comment expliquez-vous que la DGCMP avait annulé le contrat, avait refuté l'avenant du contrat fait par Bitakuir? Et Bitakuir, qui soutient dans son procès, si vous continuez à lire, il dit qu'il attendait. Mais il constate que, de l'autre côté, les paiements avaient déjà été faits à Sami Jamal. Expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avènement. Les paiements ont été faits. Je ne sais pas si depuis le début de ce bel exercice de la recherche de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. J'ai cru comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Jamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque Centrale. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté
C'est la question que nous devons avoir. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contractante. C'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de Bécher, l'ancien premier ministre Bino Tshibala, qui choisit expressément la société Jamal écrite pour insulter le ministre du développement rural, qu'il a choisi lui pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Vitakura souligne. Il est où? Il aurait saisi. Ce procès d'Amousson-là, s'il vous plaît. Oui. Il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire. Vous m'avez saisi. Qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale du marché public. Et m'avait, vous pouvez avoir m'habiter me donner la lettre de Vitakura qui m'avait adressé, puisque j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner, m'adresser à moi le directeur de cabinet, je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Vitakura qui a rebondi, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai dit ici, le 5 juillet. La lettre est là dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Vitakura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection, l'autorisation spéciale de la gestion des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samibo, le contrat était régulier? Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant est intervenu. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI. De la direction générale, de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public. Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter les histoires, mais nous avons pièce. C'est pièce contre pièce. Et donc, opposez-moi mes écrits, je vais vous opposer les écrits des autres. Merci. Une préoccupation. Mon avocat va me... Monsieur le Président, nous avons la... Attendez, la parole est au ministère public. Je complète la réponse. Attendez, attendez. La parole est au ministère public. La parole est au ministère public. On va compléter cette question-là. Notez quelque part, vous allez intervenir. Non, c'est sa réponse. La parole est au ministère public. Patientez, on va vous accorder la parole également. Comment? Patientez, la parole vous sera accordée. Je vais laisser d'abord le ministère public sur les préoccupations. Oui, monsieur le Président, pour la parole. Nous aimerions que, lorsque vous posez des questions, que le prévenu Kamere vous réponde avec beaucoup plus de précision à la question, au lieu de s'étendre sur des faits qui n'ont rien à voir avec les faits, qui n'ont rien à voir avec la question posée. Il a dit qu'il fait partie du comité de suivi. De supervision plutôt. La première question, qui présidait les réunions de ce comité de supervision? Avant de répondre à
répéter d'abord si la question qui a été posée avant et je répondrai. Monsieur le Président. Oui, merci. C'est pas le prévenu qui distribue la parole, à mon avis. Il demande au tribunal. Vous êtes mon adversaire. Monsieur Morgan de la loi, vous êtes notre adversaire. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Oui, j'ai posé la question de savoir qui présidait les réunions du comité de supervision. Qui présidait les réunions? Je vais passer la parole avec votre autorisation à mon client. Attendez, attendez. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui présidait les réunions? Monsieur le Président, votre honneur. Est-ce qu'il peut nous le dire d'abord? Il va vous le dire. Ce procès, nous saluons votre composition, mais ne donnez pas l'impression que les prévenus n'ont pas de droit de se défendre. Vous allez intervenir. Laissez-les d'abord répondre à la question. Qui présidait les réunions? Prévenez quand même. Nous avons eu au total, si mes souvenirs sont bons, pas plus de 10 réunions qui étaient bien sûr présidées à la présidence de la République au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet. Ok. Je puis alors compléter la première question, les éléments de mon client, au sujet de la lettre du DGAI, de la DGSMP. Il doit être rappelé à votre tribunal, vous n'étiez pas là, mais c'est ça notre défense. La confrontation a eu lieu ici. Maître, maître, vous voyez cette façon de faire là, hein, n'est pas très bon. Le ministère public a pris la parole pour une série de questions. Comment? Laissez-les vider sa série de questions. Après, on reviendra. Votre honneur. Qu'est-ce qui est difficile? C'est dans une minute que je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui est difficile dans tout ça? Ce qui est difficile, sa réponse-là doit être complétée sur la même feuille par le greffier. Notez quelque part, vous allez compléter ça. À cette transformation, les questions sont adressées au prévenu et les réponses nous ont venues. Mais avant, c'était la même chose que le prévenu. Tous les enrichissements. Répond et nous enrichissons. Un mot après. Oui, nous enrichissons. Ok. Suivez d'abord la deuxième préoccupation. Monsieur le Président, la deuxième question. Est-ce que le prévenu Kamere peut nous dire si à toutes ces réunions du comité de supervision, l'ancien ministre Bitakwira avait pris part ou était invité à ces réunions? Est-ce que l'ancien ministre Bitakwira a été parti à ces réunions? Mais le ministre, vous parlez seulement de Bitakwira, le ministre de la Santé, il n'a pas voulu venir, il s'est fait représenter par son secrétaire général. C'est institutionnel, ce n'est pas personnel. Le ministre peut voyager, il peut mourir, mais il y a quelqu'un qui va faire l'intérim. Est-ce qu'il avait adressé des invitations aux ministres qui se sont fait représenter? Ça, je crois que il faut rentrer dans l'administration de la présidence pour chercher toutes les invitations. Puisque les gens ne s'amenaient pas à la présidence comme ça de leur propre gré. Tous les ministères qui avaient été ciblés étaient informés. Par exemple, le ministre de l'EPSP, Emery Okundi, avait dit non. Il a participé à la première réunion, deuxième réunion de conception, et après il a dit non. Au niveau de la commission, je crois que mon secrétaire général, mon conseiller et le directeur peuvent me représenter. C'est comme ça qu'on a dégagé le barème de la gratuité si l'enseignement primaire, ça qui fait partie des 100 jours aussi. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte en lisant les déclarations de l'ancien ministre Bitakwira. Aucune fois il a été invité. Ici, on est en train de vous démontrer que c'est sur base de son contrat normal qu'on a payé les fonds. Nous n'entendons pas ce que vous dites avec... Nous disions qu'on fait voir que c'est sur base du contrat que M. Bitakwira avait signé avec Jamar. Alors qu'à toutes ces réunions, il n'était même pas invité. Il l'apprenait d'une manière ou d'une autre par voie informelle à partir de son secrétaire général. Monsieur le Président, je crois que l'ancien ministre Bitakwira est encore là. Il pourra encore revenir devant votre tribunal. Il pourra encore vous confirmer ce qu'il a dit dans ce procès verbal. Nous demandons même à cette occasion que vous puissiez aussi appeler son secrétaire général, qui lui filait les informations d'une manière ou d'une autre. Il était surpris lui-même d'apprendre que monsieur a touché 57 millions, alors que lui n'a jamais signé un contrat de 57 millions. C'est très important. Si votre tribunal peut inviter M. Bitakwira, l'ancien ministre, à venir vous confirmer ça devant vous. Et de la même manière, nous demandons si le directeur général AI du marché public, qui est chargé de contrôle des marchés publics, qu'il vienne aussi devant votre tribunal pour aussi vous dire
ce qu'il a dit dans le procès verbal et même confirmer ses correspondances. C'est très important. Votre Honneur, une petite réaction. Moi, je crois que ici nous sommes en séance publique où nous cherchons à éclairer l'opinion en même temps, la justice et la vérité. Je ne peux pas comprendre que quand il s'agit des autres prévenus, on sent les ministères publics chargés, mais c'est pour la première fois de ma vie que je vois les ministères publics commencer à défendre quelqu'un alors qu'il a toutes les facultés mentales en place. Comment Bitakura devient un allié du ministère public alors que moi je vous ai sorti des documents qu'il a signés? Il viendra ici, le tribunal ne se contentera pas de sa parole, c'est tout simplement. Le tribunal va lui opposer les documents que j'ai présentés aujourd'hui et il va me dire oui ou non, s'il avait les couteaux sur la gorge qu'elle avait signé, il va dire oui ou non, est-ce que le directeur de cabinet vous a demandé de le faire? Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et je suis catégorique, dans le cadre de ce premier contrat, je n'ai rien signé qui puisse m'engager. Voilà. Merci. Oui, si nous pouvons maintenant le compléter, et nous parlons en prenant à témoin un haut magistrat qui a organisé la confrontation entre notre client et le ministre honoraire Bitakwira. Ici, au sujet de cette lettre, l'ancien ministre est venu avec les allures d'un monsieur préparé pour charger notre client. À la question de savoir s'il y avait écrit, il dit, on m'avait refusé l'anneau, l'avis de non-objection. L'AG, Sylvain Kalula, ici, lorsque notre client lui présente la deuxième lettre de Bitakwira, avec la réponse de la direction générale de contrôle de marché public, il a paniqué au point qu'il a arrêté. Prenez le procès verbal de confrontation. Ça s'est arrêté où? Voyez, ça s'est arrêté sans dernier mot des parties confrontées. Vous n'avez qu'à prendre, il est là. Il avait promis de revenir. Pourquoi il n'est plus revenu? Parce que ce qui a été préparé, ils ont été surpris qu'il y avait une deuxième lettre de Bitakwira et il y avait une deuxième réponse. Il est là, il n'est jamais revenu. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on a pensé qu'on allait charger Vital Kamerhe en ignorant la deuxième lettre et la réponse de la Direction Générale de Contrôle de Marché Public. Que cela soit acté et vous allez retrouver dans ce procès verbal de confrontation, l'avocat général Kalula Sylvain a arrêté cette confrontation parce qu'il était surpris, il n'est jamais revenu. Oui, maître. Une petite observation, Monsieur le Président. Nous pensons que le parquet général est parti au procès comme nous. Le parquet général vient ici pour soutenir son accusation. Le parquet général doit prouver. Le parquet général, j'observe que le parquet général a oublié qu'il devait, il aurait dû instruire à charge et à décharge. Parlant justement de Bitakwira, Bitakwira a été entendu sous procès verbal et il a contredit lors de son audition et de la confrontation avec notre client, il a contredit ses propres écrits, des lettres officielles. Et pour le parquet général, pour l'officier du ministère public, les dires de Bitakwira lors de la confrontation prévalent sur les documents officiels signés par lui. C'est quand même suffisamment étonnant. Alors, quand le ministère public parle de toujours de Bitakwira, il dit il n'était pas invité. C'est le ministère qui était invité. Et quand notre client parle d'institution, de démarche institutionnelle, c'est le ministère qui était invité. Il ne vient pas et c'est le secrétaire général qui représente le ministère. Le ministère public nous surprend quand il dit, ministre du Développement Rural Bitakwira, Monsieur le Président,
Oui, monsieur le président, je ne voulais pas vous distraire. Allez-y. Le ministère public me surprend quand il affirme ici que le ministre du développement rural Bitakwira était informé de manière informelle par le secrétaire général. Ça veut dire quoi? Le secrétaire général, ce n'est pas un officiel qui parle, qui fait rapport à son chef. À quel titre? Mais il parle en tant que chef, il lui dit, voilà là où nous avons été, voilà ce qui a été fait. Et le ministère public parle d'information informelle. Non, cela nous surprend. Cela nous surprend. Nous demeurons dans ce que nous avons dit. Si votre tribunal a compris qu'effectivement... Oui, je suis en train de terminer. Si votre tribunal a compris qu'effectivement, il y a eu dans un premier temps une réticence de la Direction générale des contrôles des marchés publics, le tribunal, plus tard, à la demande insistante du ministre Bitakwira, la même direction générale s'est rebiffée et a donné un avis. Oui, a donné l'autorisation pour cet avenant-là. Si vous avez compris cela, je pense que la question est vide. Merci. Monsieur le Président, monsieur le Procureur Général, la parole est encore... Ils ne font que des commentaires, monsieur le Président. Quatre avocats pour commenter la déposition d'un prévenu. Non. Permettez que la République prenne la parole maintenant, parce que vous avez laissé le prévenu faire son discours de politique générale. J'admire votre sportivité. Mais on est devant le tribunal, on n'est pas devant le peuple, monsieur le Président. Et dans cette intervention du prévenu Kamiri, qu'il tente de faire avaler à votre tribunal, en prenant les médias à témoin, je ne sais pas encore une fois si nous sommes malvoyants. Nous ne sommes pas malvoyants. Dans sa première prise de parole, parce que nous avons une série de questions qui le dévient, parce que votre tribunal a commencé à mettre le doigt là où il doit être mis. Mais nous avons le même contrat. Lorsque la République dit à votre tribunal que l'avenant n'est pas daté, le prévenu Jamal, heureusement, l'a admis. Le prévenu Kamer vous dit quoi? Monsieur le Président, dans le contrat, il ne faut pas seulement considérer la fin, il faut considérer les débuts. Donc le fameux contrat Bitakwira est d'avril. C'est son commentaire. Et il montre au caméraman en disant, regardez, est-ce que ce contrat est signé? Pour lui, il n'est pas signé comme l'avenant. Monsieur le Président, daté. Je dis daté, merci. Mais je ne sais pas si les quelques jours ici lui ont fait perdre la vue. Le contrat que j'ai ici est bien daté du 19 avril 2018. Ah, non, on a ajouté après, on n'a pas ça. 2018, ah, ouais, ouais. S'il vous plaît, la date n'est pas apposée. On a les classements, la présidence, monsieur. Okay. Voilà, c'est très bien, on peut ajouter ça. Je ne sais pas les si photocopier. Le prévenu va regarder, il a le droit de s'y dépendre. Non, non. Ce contrat-là est bien daté. Non, non. Ce qui n'est pas le cas de l'avenant. Question maintenant, monsieur le Président. Parce que le prévenu tente de prendre beaucoup de temps en expliquant des choses. Il ne va pas échapper. Échapper. Votre... Un peu de discipline. Monsieur le Président, ça, ça il était dans son petit confort. Nous avons la parole, monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Non, 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 non. C'est une observation. Vous n'avez pas encore la parole. Allez-y maintenant. Votre honneur. Ce n'est pas le moment. Laissez d'abord la République. Je crois qu'il n'a pas le droit de me menacer. Première question, monsieur le Président. La présomption et l'innocence, bel et bien. Comment je ne veux pas échapper? Vous êtes toujours présumé innocent. Et alors, comment vous dites que je ne veux pas échapper? Monsieur le Président, nous avons une série de questions à lui poser. Parce que nous sommes partis au procès. Première question qui lui a été posée. Elle est importante, monsieur le Président. Nous, on ne commente pas nos questions. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez, et le ministère public avec raison, la question du contrat, monsieur vous dit, oui, le contrat de Bitakwira. Ils ont la preuve que ce contrat a été signé, et j'affirme, au nom de la République, que ce contrat signé a obtenu l'avis de non-objection. Est monté devant le Premier ministre avec une fiche d'approbation. Le Premier ministre l'a approuvé. Et à l'époque, c'est M. Cheikh Okitundu, faisant fonction du Premier ministre. En bonne et due forme. Nous sommes en avril 2018. Maintenant.
rapidement, monsieur le président, pour que vous compreniez, parce que nous parlons du détournement. Et il n'est pas nécessaire que le détourneur ait signé. Mais vous allez comprendre dans la trame, dans les faisceaux d'éléments du procès, pour dire si vous êtes convaincu ou pas. Première question. Parce que l'avenant dont on parle, qui n'est pas daté, il y a un chiffre, il y a une indication que ce fut au mois d'avril. Et votre tribunal a bien posé la question, M. Kamil, à laquelle il n'a pas répondu. Est-ce qu'il confirme que cette lettre... Que cette lettre du 11 mars, parce que nous voulons bien comprendre sa défense. Sa défense. 11 mars 2019. Monsieur le super, nous sommes un peu perdus, superviseur, coordonnateur, directeur de cabinet, écrit au directeur général de la direction générale du contrôle, monsieur le juge à votre droit a posé la question. Est-ce que cette lettre dans laquelle, monsieur le président, vous n'avez pas lu, concerne instruction. Instruction. Il instruit le directeur que tous les marchés qui vont venir, de gré à gré, je vous demande d'accepter ces marchés-là. Nous sommes le 11 mars 2019. Est-ce que cette lettre est bien de lui? Et c'est signé le nom que vous connaissez bien et qui comparait devant vous. Est-ce que cette lettre-là est de lui? Première question. Simplement pour vous permettre de commencer. Prévenez Kamere. Que dites-vous de cette lettre? Non, merci beaucoup. J'appelle. Il faut que vous retourniez d'abord les pièces que vous avez présentées. Mais je suis bien documenté. C'est pas la lettre du 11 mars 2019. C'est bien celle-là. Mais alors, il ne faut pas. Il n'y a pas lieu de paniquer. C'est une lettre, on va lire la lettre, puisque moi je ne vais pas entrer dans ce qu'il m'a reproché. Il a fait beaucoup de commentaires sur ma personne, tout en faisant des remarques et j'ai fait des commentaires. Alors je ne sais pas qui a fait des commentaires et qui n'en a pas fait. Parce que moi j'ai fait des commentaires si le programme de 100 jours, mais pas si les personnes. Mais lui, sur ma personne, il a fait 3 commentaires que je n'ai pas acceptés. Premièrement, il a dit que j'échappe aux questions. Deuxièmement, il dit que je n'ai pas répondu aux questions, alors que j'ai dit non. Troisièmement, il dit que je ne vais pas échapper. Échapper à quoi? Échapper à quoi? Je suis un citoyen congolais. Le droit de la défense est universel et il est garanti. La présomption, c'est l'innocence. J'ai pu comprendre qu'ici, je suis déjà une victime expiatoire. Et ce que nous faisons là ne sert à rien du tout si l'avocat de la République doit dire ça. Ils sont très puissants. Je les reconnais. La puissance est de leur côté. Avocat de la République et ministère public. Nous ne sommes des citoyens. Mais je vais lire la lettre, elle est là, et tout le monde va nous dire la compréhension. Si c'est ce que l'avocat de la République vient de dire. Je n'ai omis aucun document, monsieur l'avocat de la République. À monsieur le directeur, dont je réserve copie d'abord, comme d'habitude, à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, palais de la nation, Kinshasa Gombe, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Son excellence, monsieur le premier chef du gouvernement, son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre du budget, monsieur le directeur général de l'office des routes, et de l'office des voiries et drainages, monsieur le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, tous à Kinshasa. À monsieur le directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics à Kinshasa Gombe, concerne les procédures d'urgence et de passation des marchés, instruction. Monsieur le directeur général, d'ordre de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, vous êtes instruit d'accorder les bénéfices de l'urgence à toute demande d'autorisation de passation des marchés par la procédure de gré à gré qui pourrait être sollicitée par les structures de l'État. Ce sont les structures auxquelles j'ai réservé copie là-bas, Office de route et OVD, dans le cadre de l'exécution, c'est bien circonscrit, monsieur l'avocat, des projets inscrit au programme d'urgence des 100 premiers jours de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Il est par ailleurs recommandé à ces structures qui nous lisent en copie de présenter des dossiers conformes aux exigences de la loi.
Moi, je crois que c'est la dernière phase qui devait interpeller l'avocat de la République. C'est ce qui suit l'autorité. Veuillez agréer. Non, cette instruction est de stricte observance. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Où est le problème? Dans le strict respect de la loi, nous sommes dans le programme des gens du chef de l'État, dont nous voulons. Voilà. Merci, monsieur. La question était de savoir si la lettre est de lui. Elle est de moi. Ça ne demande pas de commentaire. Deuxième question, monsieur le président. Je complète. Mais ça n'appelle pas. Monsieur le président, je complète. Attendez. Parce que la question était claire. La question de monsieur le bâtonnier était claire. Il a bien dit que dans cette lettre, notre client a demandé au directeur général d'accepter tous les marchés. Nous avons lu la lettre. On dit accorder les bénéfices des marchés. Nous sommes des administratifs. Et on dit les dossiers doivent être présentés conformément à la loi. Où est-ce qu'il est écrit que notre client a dit veuillez accepter? Nulle part. Merci. Merci. Oui, possible. Monsieur le Président, si vous pouvez faire poser ou demander au prévenu Caméré, lors de son audition le 8 avril, il a affirmé que presque 90% des marchés des avis de non-objection avaient été donnés avant que eux ne soient aux affaires. Il a également affirmé que des avenants avaient été établis pour régulariser quelques marchés, dont les marchés de maisons préfabriquées. La question que la partie civile voudrait lui poser, les maisons préfabriquées que M. Jamal était censé livrer à l'État congolais, c'est en vertu du contrat signé par la République via le ministre du Développement Rural le 19 avril 2018 ou c'est en vertu de l'avenant d'avril dont il a eu à parler lors de sa déposition? Vous avez suivi? Non, je n'ai pas suivi. Quelle est la question précise? Je vais répondre. Qu'il a... Quelle est la question précise? Ça, je vais répondre. Presque de mémoire d'éléphant, reconnu que les marchés de gré à gré, dont nous parlerons plus tard, qui devaient être passés par l'État dans le cadre de l'exécution du programme des 100 jours, avaient reçu des avis de non-objection pour 90%. Ce sont les termes de sa déposition d'avril. Il a également indiqué que pour certains marchés, il y avait des avenants qui étaient signés. La question que je pose, parce que M. Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains pour des maisons préfabriquées. Lesquelles? La question que je lui pose, est-ce que cet argent est sorti de l'État? Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a assumé les fonctions de directeur de cabinet. Est-ce sur base du contrat du 19 avril 2018, parce qu'il s'agit bien de ce contrat-là, pour lequel il n'y a pas eu d'avis, il a eu l'avis de non-objection, ou c'est sur base de l'avenant d'avril 2019 que le paiement a été fait? Merci, j'ai suivi la question, mais je crois que monsieur l'avocat de la République s'est adressé à la mauvaise personne. Je ne suis que directeur du cabinet chef de l'État. Je ne suis pas ministre du budget. Je ne suis pas ministre des finances. Je ne suis pas gouverneur de la Banque centrale. Et nous avons suivi ici les interventions antérieures où on a expliqué clairement comment les paiements ont été faits. Et donc, c'est la chaîne des dépenses. Et donc, la question a été posée à la mauvaise personne. Parce que je n'ai jamais payé un dollar à qui que ce soit. Je n'en ai pas la compétence. Je ne gère pas les trésors publics ni la caisse de l'État. Je vais payer comment? Monsieur le Président, en d'autres termes, peut-être pour qu'ils me comprennent mieux, c'est pas le paiement. Le paiement a été effectué par l'État via la Banque centrale. Mais ce paiement-là a pour sous-bassement le contrat d'avril 2018 ou l'avenant d'avril 2019. S'il a compris la question. Mais sinon, je peux me contenter de sa réponse. Mais moi, je crois que l'avocat de la République était mieux placé pour répondre à cette question.
puisque le contrat est intervenu entre la République démocratique du Congo, qui est à la base même de l'initiative, quand vous lisez, entre la République démocratique du Congo et Sami Djamal. Mais je suis étonné qu'il me pose à moi la question alors qu'il est venu représenter la République à cette séance. Monsieur l'avocat, vous êtes mieux placé pour répondre à cette question. Merci, monsieur le Président. La question que vous voudrez bien poser au prévenu Kamiri, qui, à l'entente de son propos, vous a dit que Djamal avait raison, qu'il était même à féliciter. J'ai dit ça quand? Qu'il était féliciter. Même à féliciter. J'ai dit ça quand? Parce qu'il a dit qu'on ne doit pas faire de commentaires. Il ne faut pas laisser... Il ne faut pas l'interrompre comme ça. Ce sont ses propos, monsieur le Président. Allez-y. Nous l'avons entendu. Il a justifié en disant que si Djamal n'a pas fait, parce que depuis septembre, on a arrêté de payer. Ça, c'est autre chose. Et que Djamal a été reçu par tout le monde. Alors quand on le reprend, qu'il ait, s'il vous plaît, l'amabilité d'écouter. Qu'il ne se trompe pas d'auditoire. Qu'il ait l'amabilité d'écouter. S'il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. S'il répond comme il veut, il répond comme il veut. Mais au moins qu'il écoute les questions. Au prévenu Kamiri. Nous sommes sur un marché, monsieur le Président, de 900 maisons. C'est le marché Bitakwira. Et j'affirme encore une fois, approuvé par tout le monde, depuis 2018, ce marché-là, il n'a jamais été exécuté. L'État congolais n'a pas sorti un seul rond. Mais l'État congolais sort 57 millions. À la suite d'un avenant, la question que je voudrais faire poser par votre tribunal au prévenu Kamiri, que pour 900 maisons, le contrat prévoyait 26 millions. Pour 1500 maisons, soit l'ajout de 600 maisons, l'avenant prévoit 57 millions. Lui qui est un haut responsable du pays, j'en conviens et je n'entends pas le remettre en cause, peut dire à votre tribunal son sentiment. Lorsque 600 maisons coûtent 30 850 000 dollars américains, soit plus de la moitié du coût global ou du prix initial prévu dans le contrat. Son sentiment en tant que cadre du pays. Je peux répondre? Allez-y. J'ai pas de sentiment. Moi, je ne travaille pas avec des sentiments. Vous m'excuserez, monsieur l'avocat général, monsieur de la Cour, l'avocat général, je m'excuse. Ah, d'accord. Ok. Bien. Peut-être que je souhaite bonne chance qu'il devienne avocat général. Donc, je n'ai pas de sentiments. Laissez-moi, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de sentiments à exprimer. Sinon, de regretter que pendant longtemps, l'État congolais a tué les opérateurs économiques. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est le procureur général, ou c'est encore une fois l'avocat de la République. Des dettes, oui, je crois que c'est l'avocat de la République. Des dettes intérieures, on n'a pas payé, mais on paie tout d'un coup 57 millions. Donc pour vous, on doit niveler par les bas. C'est-à-dire l'État doit prendre des engagements et ne pas payer. L'État doit promettre aux enseignants, je vais vous payer à telle date, ils ne payent pas là, vous félicitez l'État. Mais quand le président Félix Tshisekedi amène les changements, il dit, moi, il n'y aura pas de chantier inachevé. Quand je promets, je réalise. Il paye, vous de la République, vous m'étonnez, vous devriez vous féliciter qu'au moins une fois, la République honorait ses engagements. Vous devriez vous en féliciter. Mais ici, vous posez la question, est-ce que l'autre partie, c'est-à-dire M. Djamal, je suis d'accord avec vous, est-ce que lui aussi, il a honoré ses engagements? Et pour la première partie et pour la deuxième partie, Kamere n'est nulle part. C'est vous qui répondez pour la République et lui répond pour Sami Djamal. Pourquoi moi je dois répondre à sa place? Bon, nous avons des questions importantes de précision. Un petit complément. Suivez d'abord ce que le tribunal veut dire. Pardon? Suivez ce que le tribunal veut dire tout à l'heure. Éclaircissement, s'il vous plaît, sur cette bienvenue. Économisez. Le tribunal veut dire tout à l'heure. Éclaircissement, s'il vous plaît, sur cette bienvenue. Économisez d'abord vos énergies. À ce stade, le tribunal estime qu'il y a risque que nous puissions naviguer à vue, hein, alors qu'il y a des témoins majeurs qui ont été cités par rapport à l'une ou l'autre prévention retenue à charge du prévenu.
Votre honneur. Pardon. Les noms ont été repris tout au long des réponses, des interventions des partis. Vous comprenez? Votre honneur. Ces noms ont été repris parmi ces noms pour voir qui peut venir devant lui pour contredire ou affirmer tel ou autre aspect. Cela, ça nous permettra d'évoluer dans les solutions. Je crois que c'est mieux qu'on puisse adopter cette démarche-là. Nous avions une observation, monsieur le président. Nous ne savons pas. Nous apprenons que le parquet général de la CT est en train aussi d'entendre le président. Vous allez les entendre ou c'est le parquet général de la CT qui est en train de faire? Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. Le tribunal n'est pas au courant de tout. Faisons des observations. C'est une observation, monsieur le président, puisque le tribunal, le parquet de Matete continue l'instruction. Pendant qu'il vous a déjà saisi, nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas au courant et le tribunal n'a pas d'injonction à donner au parquet de Matete. Hein? D'accord. Voilà. Une observation. Des fois, se constate que les mêmes questions posées à M. Jamal, à ce qui concerne le contrat signé avec la République, ce sont les mêmes questions qu'on pose à M. Vital Kamerhe, qui n'est pas parti au contrat. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, M. le Président, nous sommes en matière pénale, et c'est le ministère public qui est l'accusation. À ce qui concerne les détournements des données publiques, qu'il nous précise par quel mécanisme Vital Kamerhe a détourné le montant versé à la société Jamal. C'est ce que nous cherchons comme précision. J'ai dit, monsieur. Enfin, pour compléter ce que vient de dire le confrère, nous avons l'impression qu'on est en présence d'un ministère public bis. C'est au ministère public de nous démontrer le modus operandi par lequel il reproche à la partie prévenue d'avoir réalisé une infraction X. Le rôle de la partie civile, parce qu'il faut recadrer la partie civile, le rôle de la partie civile ici, c'est de nous démontrer où est-ce qu'ils ont été préjudiciés. Et par rapport à ce préjudice, de démontrer où est-ce qu'il y aura réparation. Ce n'est pas à la République de poser des questions comme si c'était le ministère public. C'est comme si le ministère public se faisait aider. Si le ministère public n'est pas prêt, qui nous le dise, ne se fasse pas aider. Votre honneur, parce que nous sommes mis en place avant que le parquet ne parle. On peut continuer. Monsieur le président, monsieur du tribunal, monsieur le procureur général. Il prend la parole quand il veut. Est-ce que. Allez-y. Je comprends que le conseil ne soit pas à l'aise. Le tribunal n'a pas autorisé à la République de parler. En tout cas, jusque-là. Ils n'ont pas la parole. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, de protéger, de me protéger. Allez-y. Je note que le dernier avocat qui prend la parole, et que cela soit acté, monsieur le président, est directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires foncières que la République veut appeler dans ce procès. Que cela soit acté sur le primitif d'audience, que Maître Niembwe est directeur de cabinet d'une des personnes qui pourra venir ici comme renseignant ou témoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, monsieur le président, la partie civile va asseoir ses postulations sur quoi? Pouvez-vous, vous, tribunal, accorder à la partie civile ce qu'elle va solliciter si vous acquittez? Troisièmement, monsieur le président, et avant de terminer, il est normal que je défère à la décision que votre tribunal va prendre, mais la question que mes confrères posent, mais c'est le processus dans lequel nous sommes. Ils veulent comprendre comment ils ont détourné et le processus, c'est justement l'instruction que nous sommes en train de mener qui, pour nous, va démontrer comment le détournement a été opéré. Et donc, si votre tribunal n'y voit pas d'inconvénient, nous avions deux petites questions encore à faire poser. Non, est-ce que vous pouvez réserver cela? Je m'incline, votre honneur. Alors, voici les personnes qui vont comparaître. Il y a une petite... Ah non, c'est tout le monde qui veut parler. Oui. J'ai compris. Je voudrais tout simplement dire que j'ai compris que votre tribunal. Exactement. Votre
Oui, monsieur le Président, je voulais tout simplement dire, avoir compris, que votre tribunal voudrait renvoyer pour compléter l'instruction. C'est votre droit. Mais à ce niveau ici, on a longuement parlé du contrat, qu'il me soit permis de donner une petite observation avant que votre tribunal ne prenne les dispositions qu'il voudrait prendre. Le ministère public a déclaré ici, si je me trompe, que l'on me corrige, il a déclaré ici qu'il le poursuivait nos clients, M. Jamal et notre client Kamere, parce qu'il n'y avait pas de contrat. Le ministère public, qui est de connivence avec la partie civile, nous produise quand même un contrat. Tantôt le contrat n'a pas de date. Nous avons considéré la date qui est reprise à la première page, avril 2018. Et cela, nous l'avons trouvé dans le dossier. Nous ne l'avons pas inventé. Civil nous dépose ce même contrat avec une date apposée par un dateur. Qu'à cela ne tienne. En passant, je note que la partie civile a beau rôle, elle intervient ici comme partie civile, oubliant que vis-à-vis de notre client, la République peut aussi se trouver ici comme civilement responsable. Quoi qu'il en soit, je termine. Le contrat qui a été signé par le ministre Bitakwira peut avoir des insuffisances. Ce contrat peut avoir des insuffisances, par exemple, et ce n'est pas une question, je voudrais justement faire remarquer cela. Par exemple, ce contrat daté du avril 2018 prévoit en son article 6 ceci, date de notification. Article 8, l'autorité contractante, entendez la République, notifiera au futur le groupement d'entreprises à la date du 9 mars 2018. Comment pouvez-vous signer un contrat le 19 avril et prévoir que vous allez notifier plus tôt? Non, il y a des insuffisances là-dedans, et ça, c'est la République. C'est juste une observation. Gardez ça. Votre honneur. Oui. Votre honneur. Merci, monsieur. Oui. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut terminer? Nous disons en termes d'observation que votre tribunal a mené une bonne instruction. Ça a permis aux uns aux autres de se rendre compte de certaines évidences, notamment que Vital Kamere n'est intervenu ni en amont ni en aval. Raison pour laquelle... Non, nous tirons les observations de ce que vous avez fait comme travail. Gardez ça lors de plaidoyer. Alors, raison pour laquelle nous suggérons que vous puissiez lui accorder la liberté. Attendez. On reviendra à ça après. Oui. Non, attendez. Ce n'est pas une audience publique, vous avez dit. Oui. Non, juste une remarque, parce que pendant tout ce temps, j'ai laissé votre tribunal instruire avec maestria cette affaire. Je crois que la question qui est revenue plusieurs fois chez les conseils, c'est une sorte de manque de distinction du type de responsabilité que la République pourrait engager éventuellement. Lorsqu'on parle d'un contrat qui engage la République par rapport à un tiers, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a d'une part la responsabilité contractuelle de la République, qui est engagée par ses organes, notamment les ministres et autres, et il y a la possibilité donc d'avoir une responsabilité pénale. Et ici, nous sommes dans la responsabilité pénale, qu'il ne faut pas confondre avec la responsabilité administrative. Et donc, ce manque de distinction risque de nous amener dans un processus qui va déboucher sur autre chose. S'agissant des détournements, c'est une infraction d'intellectuel. Ce n'est pas la même chose qu'un vol à la tire. Et donc, c'est l'assemblage des actes isolés qui va démontrer plus tard le processus criminel. Ce n'est pas, il ne faut pas isoler. C'est pourquoi il faut garder son calme, aller mollo jusqu'à la fin de l'instruction. C'est le rôle du ministère public et de la partie civile de démontrer en quoi consistent les actes matériels et moraux du détournement. Alors,
le prévenu. Mais bien sûr, on ne peut pas établir la responsabilité civile si l'infraction n'est pas établie. C'est de la logique élémentaire. Et alors, si le prévenu s'en tient aux qualifications, mais je vous rappelle que vous, juge, vous n'êtes pas lié par des qualifications. Vous êtes lié par des faits que la citation à prévenu vous a donné. Vous avez même la possibilité de les disqualifier, de les requalifier. Qu'il ne soit pas pressé. Entendons toutes les parties que j'avais proposées, par exemple, dans le courrier de la semaine dernière, vous verrez une succession d'actes qui démontrent et à la fois l'intention et les actes matériels du détournement. Je vous dis que s'il s'agit d'une infraction d'intellectuel. Et vous ne pouvez la démonter que si vous êtes vous-même un véritable intellectuel. Et nous le ferons. Merci. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Tout ça, on a tendance à renverser les choses. On ne vous entend pas. Vraiment, on a tendance à renverser les choses. C'est comme si c'est... Les questions doivent venir de l'autre côté pour que nous, nous puissions répondre ou le tribunal puisse répondre. Alors que ce que nous sommes en train de faire... C'est la partie prévenue qui doit répondre aux questions du tribunal, de la partie civile, du ministère public. S'il cherche à comprendre pourquoi il est devant la barre, qu'il réponde aux questions, il va déduire de ces questions que nous posons les faits pour lesquels il est poursuivi. Monsieur le Président, je vais faire poser deux petites questions seulement. On va continuer peut-être. Est-ce que le prévenu Kamere reconnaît avoir fait un communiqué en date, je crois, du 14 janvier. Janvier. Interdisant tout paiement, sauf son autorisation. Vous avez fait un tel communiqué, prévenu Kamere? Oui, sur instruction du président de la République, et le communiqué n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. C'est ce qui nous a permis, les ministres des Finances, les ministres des Budgets, ouvrir la Banque Centrale, de réunir dans un premier temps, en un temps record, d'un mois, plus de 70 millions de dollars américains économisés. Parce que le gouvernement était en train d'expédier... Monsieur le procureur, je termine. Oui. Allez. L'usage, nous qui avons fait plusieurs cabinets ministériels, la formule quand le gouvernement est réputé démissionnaire, le ministre expédie les affaires courantes. Et il est, soit du devoir du président de la République, ou du premier ministre de recadrer les ministres par un communiqué ou une circulaire, pour qu'ils sachent que ce qui n'est pas interdit en droit est autorisé, qu'ils sachent que désormais, limitez-vous seulement au salaire, parce que nous aurons notre gouvernement. C'est la période où on vide les caisses de l'État. Ça nous a permis d'économiser effectivement beaucoup d'argent, et c'est comme ça que beaucoup étaient étonnés de voir qu'il y a eu des paiements, et ils se posent des questions, comme si payer ce que l'État doit au tiers était un péché. Oui, une autre question. Ma deuxième question. Est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des Finances, avoir envoyé un planning de paiement en rapport avec les marchés conclus dans le cadre des 100 jours? Est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des Finances, lui communiquer un tableau ou un planning de paiement en rapport avec les marchés dans le cadre des travaux de 100 jours? J'ai l'impression, votre honneur, que le procureur continue son... Cette question, qu'est-ce qu'elle a à voir? Oui, le procureur, c'est la partie accusatrice. Oui, mais moi, je réponds à vous, le tribunal. Il faut vous défendre. Je vais lui transmettre ça. Hein? Donc, je réponds en disant que je constate que le procureur continue son instruction, ses enquêtes. Parce que écrire au ministre des Finances, écrire au ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, écrire au ministre de l'Agriculture... Si le président, il peut nous dire par ça, oui ou non, tout ça. On écrit. Comment voulez-vous que je me souvienne de toutes mes correspondances? Puis si vous avez eu l'état de me garder 7 heures à limiter, et aujourd'hui 40 jours ici à Makala. C'est une correspondance. Pour raison de... s'il vous plaît, procureur. Pour raison, votre honneur. Je suis ici, c'est bien écrit dans les ordonnances. Et même dans les mandats, dans un premier temps, c'était 15 jours pour confrontation. Je n'ai eu que des confrontations avec les membres de mon cabinet, de la commission, et avec M. Bitakwira. On n'a jamais eu de confrontation ni avec Djamal, ni avec M. de la Robanque, ni avec qui que ce soit. Mais les infractions tombent, je suis là pendant 40 jours. Toutes ces questions
on parle des témoins, mais pourquoi on les avait cachés avant d'amener sur Bitakuira? On avait tous les loisirs de nous confronter, ça allait éclairer la lanterne du tribunal. Moi, je voudrais insister encore une fois de plus, votre honneur, que ici, les faits qu'on nous reproche, en partie comme complice, c'est des détournements, des deniers publics. C'est 48 millions ou 47 millions de dollars, puis ça change selon la citation ou l'ordonnance ou la citation. Et je voudrais, moi, ici, que le procureur puisse démontrer comment Caméré a détourné les deniers publics qui étaient payés à M. Djamal. Puisque la définition de deniers publics, c'est l'argent qu'on met entre les mains d'un agent de l'État et qu'il affecte à d'autres fins ou qu'il détourne à ses propres fins. Alors, je voudrais savoir quel jour et par quel document on m'a remis à moi, Caméré, 47 millions de dollars et que j'ai détourné. Puisque j'ai entendu ici, on a étalé le nombre de maisons qui sont arrivées ici à Kinshasa, celles qui sont arrivées en Boujimaï partiellement parce que l'État n'a pas payé, c'est à quoi il s'est engagé au terme du contrat. Et l'État a accepté lui-même. Et il y a eu des lettres, des rappels quant à ce. Comment vous pouvez avoir 300 maisons de Kananga à Lobito qui ne vous demande que 1,999,000 dollars américains pour que Kananga ait des 300 maisons neuves? Comment on peut avoir les maisons de Mbujimaï? Il y en a 76, je ne sais pas combien qui sont arrivés à Mbujimaï, mais 75 restent à Dar es Salaam et 16 à la SNCC. À Lubumbashi, ça c'est pas de la fiction, les gens de Lubumbashi se nous suivent, ils vont photographier ces maisons. Elles sont là, la SNCC exige paiement de la part du trésor public. Comment aujourd'hui on peut mentionner qu'il y a les maisons en Turquie? Et le transitaire a écrit pour que les conteneurs reviennent, ils ne reviennent pas. Mais Caméré intervient où à ce niveau-là? C'est ça. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pensais que le tribunal... Que c'est nous avons la parole, Monsieur le Président. Nous avons la parole, Monsieur le Président. Nous avons encore la parole. Il y a deux prévenus. Pardon? C'est nous qui sommes prévenus. C'est nous qui sommes... Nous devons avoir la parole en priorité. C'est pas que la République. Non, nous avons encore la parole. Nous n'avons pas dit. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Monsieur le Président. En prenant la parole en dernier, le président était, le tribunal était déjà en train d'atterrir. Nous n'avons pas compris que le ministère public ait encore pris la parole pour poser des questions. Et la République également. Monsieur le Président, sécurisez-nous, prenez la police des débats, menez les choses de la manière que vous l'avez conduite. Le tribunal disait tout à l'heure. Il devra renvoyer pour audition des termes. Tout à fait. Parce que s'il faut laisser les uns et les autres intervenir, on n'aura jamais à finir. Or, ce sont des devoirs d'instruction aussi importants que les tribunaux doivent mener à ce stade. Donc, jusque-là, nous avons le ministre honoré Bitakuira, l'adresse se trouve dans les dossiers. Il y a le directeur général AI de la direction générale de marché public. Direction générale, le directeur général de direction générale de marché public. Contrôle des marchés publics. Le secrétaire général au développement rural. Et les autres membres de la commission, notamment monsieur. C'est Kazadi, tous les membres de la commission. Nicolas Kazadi, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du budget de l'époque, le ministre des Finances de l'époque. Tous ces déjà cités, monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons d'autres noms qui ne sont pas dans infraction le... par infraction. C'est infraction par infraction que nous évoluons. Oui, les autres reviendront, mais dans le cadre de l'institution d'autres. D'abord, ils sont membres de la société. Oui, oui. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ok. La République parle encore sur la parole, monsieur le Président. Le ministre. La République intervient à tout moment. Les ministres des ICPR. Monsieur le
Monsieur le Président. Ce n'est pas une citation directe. C'est une Monsieur citation le Président. À prévenu. C'est on n'est pas dans une citation directe. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que le témoin, quand on les appelle, c'est en fonction de la nécessité d'instruction. Je ne vois pas, il y a certains noms qui sont signés, qui sont cités là, certaines demandes qui n'ont rien à voir avec l'instruction telle que ça avance. Mais vous n'êtes pas dans la tête. C'est la démarche du tribunal, ce n'est pas de votre pouvoir. Hein? Là, vous êtes en train de censurer la démarche du tribunal. Et nous sommes très jaloux. Rien du tout, monsieur. Il ne faut pas faire ça. Vous proposez qui de votre côté? Je voudrais, monsieur le président, confirmer ce qu'un confrère vient de dire tout à l'heure, que le parquet général appelle la cour d'appel de Matete continue l'instruction parce qu'ils invitent encore les partis à témoigner sur les faits qui ont fait l'objet devant votre juridiction. Ça, c'est une violation du principe de la séparation de pouvoir entre le ministère public et le pouvoir judiciaire. Ensuite, j'ai le regret de constater que les avocats de la partie civile se sont comportés aujourd'hui comme s'ils étaient partis du ministère public. Ce qui veut dire que, probablement, que l'instruction n'est pas encore terminée. Alors, monsieur le président, il faut nous rassurer. Si effectivement l'instruction est terminée ou si nous avons encore à nous présenter ou le client est encore à se présenter pour éventuellement s'expliquer plus tard. Et en dernier lieu, M. Jamal voudrait absolument une descente sur le lieu au tribunal Tchatché pour que vous puissiez constater que d'abord, il n'a pas détourner quoi que ce soit et ensuite qu'il a il est en train d'exécuter un contrat dont l'État est parti au procès et que ça ne peut pas être un détournement quand on exécute une partie de son contrat. Merci. Et si vous avez des témoins ici, c'est là que nous en sommes. Si c'est pour faire des commentaires, ce n'est pas pour des commentaires, monsieur le président, que nous intervenons. C'est jusque-là, notre client n'a pas encore de témoins qu'il a fait pour faire citer. Mais sa préoccupation demeure quant à la descente. Parce que tout à l'heure, nous avons suivi le ministère public qui a dit qu'il n'a jamais eu de contrat. Alors que notre client dit qu'il est dans l'effectivité des commentaires. Pardon, vous intervenez pour des commentaires. Ce n'est pas de commentaire, votre honneur, comme je dis. C'est une précision que j'ai dit. La position de notre client n'est pas celle de solliciter. Oui, votre honneur. C'est pas ça. Oui, par contre. Vous avez les témoins. Oui, bien, monsieur le président, par rapport aux témoins, jusque-là, notre client vient de réfléchir et il a trouvé intéressant que vous puissiez faire revenir le commandant de la garde républicaine. C'est lui qui supervise, supervise les travaux et de Kanchachi et puis le directeur du cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous avez noté. Excusez votre honneur, par rapport au témoin. On peut aussi faire venir les gens qui exécutent le contrat, notamment le représentant des Encore et la société Parc, qui peut venir confirmer qu'ils sont en train d'exécuter les contrats et les contrats existent bel et bien. Merci. Deux personnes à faire comparaître pour M. Vital Kamere, M. Afi Badaga et M. Jacques Bagné-Suizé, qui sont tous experts dans la commission à la présidence. Messieurs, M. Afi Badaga et Jacques Bagné-Suizé. Et qui? Monsieur Jacques Bagné-Suizé. Ils sont tous deux experts dans la commission. Voilà. Merci, votre honneur. Pour le prévenu Mouima, il a trois personnes à faire comparaître. Le directeur commercial de Maersk Congo,
le directeur commercial de la SNCC et le directeur commercial de la Royal Bank. Merci. Votre honneur, si je suis autorisé à adresser à votre tribunal quelques mots, c'est juste demander à votre tribunal d'accepter la formulation de la demande en liberté provisoire formulée par Vital Kamerhe. Sur les témoins d'abord. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons envoyé par courrier une liste à votre tribunal. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître Monsieur Jamal Jamal. Oui, Jamal Jamal. Monsieur Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf Achour. Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida. Soraya Pierre. Mademoiselle Soraya Pierre est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya Pierre. Merci. Donc, pour ça, le tribunal. Oui. Pourquoi on a invité qu'est-ce qu'ils ont demandé? Maître, un instant. Est-ce que vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Non, non. Laissez au tribunal, apprécier. Ces jours-là, si c'est rencontre, ça ne servira à rien. Pourquoi les laisser partir? Votre honneur, si sur la présentation faite, vous savez, on peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Kamerhe. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quel acte, de quelle question posée? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prise, pas la dignité. Nous avons dit. Excusez votre honneur. Toujours dans la même lignée. Monsieur le Président, vous voyez, sur la table du ministère public, il y a plus ou moins 3000 pièces. Le ministère public a instruit 119 pièces en termes d'audition, de PV d'audition, et 2000 autres pièces à conviction. Nous avons également la citation à prévenu. En aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. Et c'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les détournements. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on a posé une question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie, un lambris. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. À cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamerhe. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes des... Non, ou les femmes... Je ne sais pas, ça devient quand même... Le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape de la réunion. S'il vous plaît, monsieur le président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Kamerhe là-dedans? Merci. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Monsieur le procureur,
Est-ce qu'on le trouve dans cette définition? Merci, monsieur le président. Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir ces catégories. Monsieur le président, vous allez regarder là la requête. Il y a certains membres de famille du prévenu qui sont cités. Alors, je me demande, lorsqu'on appelle un membre de famille, intervenir d'une manière ou d'une autre, ça devient un problème ici. Vous regardez seulement notre requête. Il y a des membres de famille du prévenu, et les prévenus n'ignorent pas. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par rapport à certains membres de sa famille. Alors, je me demande pourquoi ça peut les agiter. Lorsqu'on demande à ce que ces personnes viennent devant votre tribunal, il est actif. Nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes actif. Ce que le ministère public n'a pas fait dans son cabinet, vous le faites ici. Vous avez ce droit, ce pouvoir d'appeler qui vous voulez pour être édifié, monsieur le président. Je ne pense pas que cela peut... Votre honneur. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent être agités. Monsieur le Président, j'en profite aussi pour peut-être répondre à quelque chose qu'on a soulevé ici. Soit disant que les parquets continuent à poser les actes. Le jour que nous avons introduit cette audience, si vous vous rappelez, j'ai dit que c'est le début d'une série de procès. Les enquêtes continuent dans nos offices. Les 100 jours, ce n'est pas seulement pour les maisons préfabriquées. Les 100 jours, c'est le saut des moutons. Le lundi, il y a eu une audience en rapport avec les 100 jours. Demain, après-demain, il y aura une audience à la cour, toujours en rapport avec les 100 jours. Qu'on ne vous dise pas ici comment les parquets continuent à interpeller, ils vont interdire au parquet de continuer à poser les actes, alors que le parquet n'a pas encore fini tous les devoirs d'enquête. Les dossiers, maison préfabriquée, c'est les dossiers qui sont devant vous. Les autres dossiers continuent. Ceux qui viendront devant vous viendront ici. Ceux qui seront envoyés à la cour seront envoyés à la cour. Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la partie, la défense va s'agiter du fait que les parquets continuent à interpeller les gens. Je ne sais pas pourquoi la partie, la défense va s'agiter puisqu'on cite les gens qui vont venir témoigner ici. Monsieur le Président, je crois que votre tribunal doit avoir ses soucis d'appeler tous ces gens-là. Ils viendront vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous faire une conviction pour que vous puissiez prendre une décision qui convienne. Je dis, je vous remercie. Merci. Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui. C'est un témoin que nous avons pu venir. La défense a objecté. Permettez-nous de répondre en une minute ou en deux minutes, monsieur le président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, monsieur le président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais, je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici, dit qu'il va mettre le feu. Etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la réponse? Bon, vous voyez que les interventions. Monsieur le Président. Toujours des si il oui. Non. Prévenu Camille, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous êtes devant le tribunal. Monsieur le Président. Si vous regardez votre dossier à partir de cote 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train de suivre sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc, demande à votre tribunal de faire citer Mme Chatur Abida. S'il y a des reproches à faire au témoin, mais on le fera le moment venu, ce n'est pas à cet instant de la procédure. Donc nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut qu'on mette à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Hamida et Soraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications la chambre sur les questions que nous allons lui poser. Chambre du conseil. Non, non.
s'il vous plaît. Les tribunaux renvoient pour audition des témoins au 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Le mercredi de la semaine prochaine. C'est comme une semaine. Si vous avez, vous aurez à donner. Alors, nous levons l'audience publique. La FNC peut interrompre sa retransmission. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobi Kalambote. Wandugwapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho, mpangi ya mono ya luzoro. Benu bikana mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shala ibib, nitu muna ana. Chikondo chikwabu kufideo, mkwabu. Ana lingo amboshila.